Papa, tu es digne de toute louange. Alléluia, alors que nous t'adorons, ta présence est manifeste au milieu de nous. Alors que nous t'adorons, nous recevons notre guérison, nous recevons la restauration. Nous venons à l'autel éternel pour que ton feu nous purifie, pour que ton feu nous guérisse, pour que ton feu nous rencontre éternel. Ton peuple est dans ta présence éternel. Et nous venons éternel, oh Dieu, devant toi, l'agneau immolé, recevoir la louange, te donner toute la louange, te donner toute la gloire. Parce que tu es digne éternel, tu es digne de toute la puissance, tu es digne de toute la richesse, tu es digne de recevoir tout honneur, amen. Il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir la louange, il est digne de recevoir l'adoration, il est digne de recevoir nos acclamations, nos cris de joie, il est digne de recevoir notre reconnaissance et c'est l'agneau immolé à la croix pour nous. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Nous voulons nous joindre aux anges et célébrer l'agneau immolé. Amen. Nous voulons nous joindre à tous les anges et glorifier le nom de Jésus. Tous les anges nous assistent. De la vie.
ton amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers qui s'amagesse.
chantons gloire, chantons gloire et puissance. Déclarer la puissance de l'agneau. Nous déclarons ta puissance dans ce lieu. Nous déclarons ta puissance de guérison, ta puissance de restauration. L'agneau immolé est ressuscité et à lui revienne toute la gloire. Amen. Il est ressuscité et à lui revienne toute la gloire. Amen. Nous voulons continuer d'adorer l'agneau parce qu'il mérite la louange et mérite la gloire. Alléluia. Il mérite toute notre louange, il mérite toute la gloire. Il mérite d'être élevé, d'être loué, d'être...